Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de réussir des éliminations avec des poulpes collantes. Alors les poulpes collantes, vous les pêchez dans des coins de pêche. Elles ressemblent à ça, il est marqué poulpe collant. Voilà, c'est des poulpes, hein, tout simplement. Donc, il faut savoir que ces poulpes, elles collent partout. Voilà. Et si vous tirez dessus, elles explosent. Mais c'est pas tout. Parce que regardez, je vais mettre une poulpe, par exemple, ici. Je vais mettre un adversaire ici. Et regardez, quand il va sortir, elle va pas exploser, hein. Dommage. Mais regardez, elle va sauter normalement. Bon, là, elle n'a pas l'air de vouloir sauter. Peut-être c'est parce qu'elle est sur un obstacle vertical. Attendez. Par contre, si je fais ça, hop, ça lui a fait du dégât normalement. Je vois pas sa vie. Mais regardez, ce que je peux faire, c'est ça. Hop, je la lance là. Et là, regardez, elle va sauter pour essayer de s'accrocher à l'adversaire. Donc après, ben, voilà, il saute carrément. Il se casse carrément. Attends, où est-ce qu'elle est maintenant? Attends, mais elle a disparu alors. Elle est là. Ah ouais, donc quand il va dans l'eau. Donc quand il va dans l'eau, il se protège de la poulpe. Donc attendez, je vais essayer de le faire approcher par ici. J'arrive pas à le faire approcher, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tuer. Je vais regarder si je peux récupérer ma poulpe. Non, on peut pas parce qu'elle est dans l'eau. Donc je vais essayer d'en récupérer d'autres. J'arrive, 2 secondes. Salut mon petit loup. Ok, donc j'ai récupéré des poulpes. Donc là, regardez ce que je vais faire. Donc là, j'en ai 3. Donc je vais lancer un ennemi. Je vais lancer la poulpe. Oh, regardez, elle s'est accrochée. Donc dès que vous l'accrochez dessus, elle explose. Si vous l'accrochez sur l'adversaire, elle explose directement. Mais c'est pas ça que j'aimerais bien qu'elle fasse. J'aimerais bien qu'elle s'accroche toute seule. Ok, comme ça. Et puis, boum, elle explose. Après, vous pouvez lancer une poulpe et tirer dessus comme ça. Et ça... Oh! En plus, ça la duplique. Non, sérieux? Donc, genre, elle a explosé et il y en a une autre qui est apparue. Non, je réessaye. Bon, il va me finir. Il va me tuer, lui. Bon, j'ai un petit coup. Bon, ben voilà, de toute façon, j'ai plus de poulpe. Mais bon, au moins, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Donc, si vous avez ce défi qui est de réussir des éliminations avec des poulpes collantes, bah, je vous conseille d'aller en foire d'empoigne et d'essayer de faire des éliminations comme ça. Ou alors, je vous mettrai en description une vidéo qui vous explique comment jouer que avec des bots sur Fortnite. Et comme ça, vous pourrez faire le défi super facilement bah, parce que c'est que des bots comme je viens d'en lancer un. Sauf que c'est sur la map de Fortnite, c'est une partie normale. Et ne vous tracassez pas, c'est pas un glitch, c'est totalement légit. C'est juste une petite manipulation à faire et... Et il n'y a aucun risque de bannissement. Donc je mettrai la vidéo en description et en commentaire. Donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à aller voir. Et grâce à cette astuce, bah, vous pouvez faire tout, absolument tout ce que vous voulez. Des top 1, des XP, tous vos défis facilement, tranquillement et très rapidement. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.